Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré aujourd'hui à une entrée en thérapie ou quand consulter un thérapeute. Je suis Florence Cohen, sophrologue, praticienne en psychothérapie, psychanalyste. J'accompagne les femmes de 50 ans et plus qui se sentent perdues et je les aide à se retrouver. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Florence Cohen, femme à 50 ans, sur Instagram, sophro.analyste, sur LinkedIn et YouTube, Florence Cohen, mais aussi sur mon site où vous retrouverez mes articles de blog, mes accompagnements et l'endroit où vous prendrez rendez-vous pour une séance gratuite de 30 minutes. Alors, quand consulter un thérapeute, à quel âge? Est-ce qu'il y a un âge requis? Est-ce qu'il y a une recette toute faite? Eh bien, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment. Il y a juste, j'ai un peu envie de dire, un certain bon sens. C'est-à-dire lorsque vous sentez que votre mal-être prend le pas de plus en plus, c'est-à-dire vous vous sentez mal dans votre peau, dans votre corps, vous êtes tiraillé entre ce que vous souhaiteriez être, ce que vous voudriez faire, et peut-être aussi lorsque les médicaments deviennent quotidiens, lorsque les fractures, les opérations s'invitent de plus en plus dans votre corps, dans votre vie. Donc, vous le comprendrez, il n'y a pas d'âge et aujourd'hui, eh bien, on consulte de 7 à 77 ans. Et je ne vous dis pas ça pour rigoler parce qu'aujourd'hui, des enfants consultent, des parents sont, je dirais, ouverts à ce que leurs enfants aillent voir un thérapeute pour justement permettre à nos enfants, à ces enfants, eh bien, d'aller mieux, d'avoir des clés, d'avoir des outils pour grandir. Pour leur permettre de grandir plus sereinement. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il n'y aura pas de crise d'adolescence, mais j'aimais bien en fait cette phrase, je crois que j'avais lu dans un livre, c'est-à-dire pour permettre à la colonne vertébrale psychique eh bien de s'aligner, de se redresser à cet âge-là. Donc, vous le comprendrez très bien, il n'y a pas d'âge. Il y a aussi des grands-mères de 70 ans qui consultent, qui sont en thérapie pour s'aider elles-mêmes, mais également pour comprendre pourquoi leurs enfants et leurs petits-enfants souffrent, pourquoi leurs enfants et leurs petits-enfants ont des liens compliqués. Et je trouve que c'est justement ça qui est très chouette, puisque tout le monde parvient à s'y retrouver lorsque l'on entre en thérapie. Lorsque, alors vous allez me dire, ou lorsque vous allez entendre ça, vous allez vous dire, oui, mais bon, si je me tords la cheville, je vais pas consulter quand même. Ben non, vous vous tordez la cheville, vous allez voir un ostéopathe, mais seulement à force de vous tordre la cheville, ben cela va peut-être générer quelque chose dans je peux plus marcher comme je veux, je peux plus faire le sport que je veux, et vous faire tomber dans un engrenage, malgré tout psychique, négatif. Consulter, c'est peu importe, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde, déjà de par les nombreuses thérapies qu'il y a sur le marché. Et puis, c'est aussi, je dirais, un chemin évolutif, c'est-à-dire que vous pouvez consulter ou emmener votre enfant consulter à 7 ans, il sait qu'il aura des clés, il sait que c'est possible. Vous pouvez consulter à 20 ans pour une durée qui vous appartiendra. Et puis à 30 ans, sentir qu'il y a quelque chose qui s'est à nouveau déréglé et retrouver le chemin d'un thérapeute ou d'une thérapie. Bref, en fait, c'est consulter au moment où on sent que c'est opportun pour nous. Peut-être aussi se poser cette question, depuis combien de temps je souffre ? J'entends, parce que j'adore laisser traîner mes oreilles lorsque je suis à l'extérieur, j'entends voilà des femmes dire « ça fait 15 ans que je ne vais pas bien, ça fait 15 ans que je travaille sur mes peurs, j'ai pris du poids et je sais que lorsque j'aurai perdu ce poids, je pourrai me remettre en couple. Ça fait 15 ans que je n'ai plus de relation amoureuse. » Je sais pas vous, mais moi ça me tilte. Il y a
15 ans de perdu, il y a ce fait qu'on attend quelque chose qui ne vient pas. Eh bien là, vraiment, j'ai envie de vous dire, consultez, allez voir quelqu'un, parce que sinon, votre vie, vous continuerez à la passer, à attendre que quelque chose se défasse. Donc, n'attendez pas d'aller mal, en fait. Lorsque vous sentez que vous n'allez pas bien et que c'est récurrent, eh bien, n'hésitez pas à voir ou à regarder de toutes les manières ce qu'il existe comme thérapie. Vous pouvez très bien consulter parce que votre sommeil est déréglé. Il faut savoir que l'impact d'un mauvais sommeil est multiple et peut vous dérégler au niveau de votre humeur, peut vous faire tomber en dépression si vous dormez mal depuis très longtemps. Ça a un impact sur la mémoire, sur comment vous travaillez en journée, sur votre attention, sur la prise de poids également. Il faut savoir qu'une heure en moins de sommeil par rapport au temps dont vous avez besoin va générer 250 kilocalories en plus au quotidien. Donc vous voyez, il y a plein de petites structures comme ça pour lesquelles on peut déjà se faire aider. Puis, voir que si au bout de 2-3 séances, parce qu'en sophrologie, on a des résultats spectaculaires, notamment avec le manque de sommeil, si on voit que ça fonctionne, c'est magique. C'est-à-dire que vous allez être accompagné pendant un laps de temps pour vous aider à rééquilibrer votre sommeil. Ben moi, je trouve que quand même, ça n'a pas de prix. Et plutôt que de prendre des somnifères ou des cachets vendus dans des boîtes magiques à la pharmacie, eh bien, refaire fonctionner ce qui est bon pour nous sans médicaments, parce que c'est quand même une clé qui est pas anodine et qui est à prendre en considération. Alors qui ? Consulter, parce que il est vrai que je vais entendre aussi dire « oui, mais il y a des charlatans partout ». Alors oui et non, c'est-à-dire que moi j'ai envie de vous dire, les médicaments que vous prenez, vous charlatinisent votre corps. C'est-à-dire que oui, le mal de tête va passer, ou oui, ce pourquoi les médicaments sont actifs, ben vont régler cette partie-là et puis vont dérégler vos organes, vont vous faire mal ailleurs. Donc j'ai envie de vous dire, le charlatan, vous avez le choix de trouver que la personne que vous allez consulter ne vous correspond pas et de choisir une autre personne qui vous correspondra. Je veux dire, il n'y a pas plus de charlatan chez les médecins que chez les thérapeutes. Et puis, si vous avez peur, ben il y a vos médecins traitants qui ont des noms. Si vous n'en trouvez pas, vous entendez bien des gens autour de vous qui consultent. Donc, n'hésitez pas à leur demander le nom du thérapeute. Et si vous voulez vous retrouver avec moi en thérapie, eh bien, il vous suffit de prendre rendez-vous sur mon site florence-cohen.fr à séance gratuite. Je consulte en cabinet à Nice et également en visioconférence. Il faut savoir quand même que j'ai été accompagnée par 4 thérapeutes différents pendant 18 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai pas traîné 15 ans avec quelque chose qui ne m'allait pas. J'ai traîné 33 ans et à un moment donné, je crois que c'est à 36 ans, j'en ai vraiment eu marre et je me suis dit j'ai besoin d'aide. Et là, eh bien, j'ai consulté une sophrologue qui m'a accompagnée pendant 4 ans. Ensuite, j'ai eu un accident de moto, j'ai une prothèse d'épaule et là je sentais que j'arrivais à bout de souffle, que c'était vraiment compliqué pour moi, que j'en avais marre que mon corps se fracture, marre d'avoir mal de partout. Et là c'est pareil, j'ai demandé à mon médecin traitant le nom d'un thérapeute, il m'a envoyé vers une psychologue. J'ai été accompagnée donc 4 ans par cette psychologue et puis avec elle, on a réussi à enlever toutes les couches d'oignons et puis il me restait un noyau que je n'arrivais pas à travailler avec cette psychologue et donc c'est naturellement que je me suis tournée vers la psychanalyse et que j'ai pendant 10 années vécu une aventure mais magnifique en analyse. Et aujourd'hui, je pourrais parler de psychanalyse jour et nuit tellement c'est bluffant, tellement c'est intense, tellement c'est passionnant. Donc voilà, comme quoi
notre vie, on peut aller bien, on peut aller mieux, on peut demander de l'aide, surtout qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile qu'il y a quand même 20 ans en arrière, hein. Les thérapies n'étaient pas aussi à la mode, donc eh bien n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à aider vos enfants, à vous aider vous-même. Vous aurez un retour de ces thérapies, du chemin que vous allez faire, qui sera juste magnifique. C'est quelque chose qui vous fait être, exister sur votre chemin et qui vous délivre vraiment des outils pour mieux vous connaître, pour mieux vous écouter et pour vous découvrir en tant que personne. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être le plus beau chemin, c'est celui-ci. Je vous retrouve très vite une prochaine fois lors d'un prochain podcast et vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.